Dans cette vidéo, vous allez voir comment insérer une diapositive ou plusieurs diapositives dans votre présentation. La première méthode, vous pouvez tout simplement faire un clic droit en bas de la diapositive qui existe. Venez cliquer sur le bouton « Nouvelle diapositive ». Cette méthode vous permet d'insérer une nouvelle diapositive. Une deuxième méthode pour insérer une nouvelle diapositive dans PowerPoint, il suffit tout simplement de cliquer sur l'onglet « Insertion ». Sur le groupe diapositive, vous avez le bouton Nouvelle diapositive, puis vous cliquez sur Nouvelle diapositive en sélectionnant la disposition. La diapositive sera automatiquement insérée dans votre présentation. Une troisième méthode d'insérer une nouvelle diapositive dans votre présentation, vous pouvez tout simplement sélectionner la diapositive qui existe. Sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Entrée. Ça va aussi insérer ce qu'on appelle une diapositive dans votre présentation. Vous pouvez également insérer une nouvelle diapositive dans votre présentation en sélectionnant quelques diapositives, puis en faisant un clic droit dessus, en cliquant sur le bouton copier et en faisant le raccourci, la touche CTRL plus V. De cette manière, vous pouvez également insérer une ou bien plusieurs diapositives dans votre présentation. Vous pouvez aussi insérer une nouvelle diapositive dans la présentation en sélectionnant la diapositive, puis en faisant le raccourci clavier, la touche CTRL plus D. Cette action vous permet d'insérer aussi une nouvelle diapositive dans la présentation. Maintenant, vous savez insérer une ou plusieurs diapositives dans votre présentation. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo.